I think John Wick comes out. Listen, I love Keanu Reeves. If you want to go see John Wick, fucking knock your, go for it. I mean, I, I'm not going to tell you not to. But John Wick's not a family movie, <laughs> so if you're looking for a movie for your family or uh, your date or whatever, or you just want, don't want to get into like hardcore, you know, pop, 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 pop. Um, go see Shazam: Fury of the Gods. Right. Ouais, bah. Moi, j'ai vu John Wick 4. Salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous avez la patate Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo humble avis sur un film que j'ai vu au cinéma. Le film, c'est John Wick, épisode 4, ou plutôt chapitre 4. John Wick, une saga que j'ai découvert complètement sur le tard. Le premier, j'ai dû le voir en VOD, je sais pas, l'année dernière. J'avais plutôt kiffé, hein. J'avais sur-kiffé le côté bourrin assumé. Une histoire qui tient sur un post-it, mais on s'en fout. Si ça marche, ça marche. Et sur moi, ça a marché. John Wick 2, que vous avez découvert sur ma chaîne en première séance. J'ai pris une claque, hein. Franchement, j'ai pris une grosse queue-claque. Et je pense que ça s'est vu sur la vidéo. D'ailleurs, merci, elle marche plutôt pas mal. Donc j'ai l'impression que vous kiffez me voir kiffer. John Wick 3, que je me suis enchaîné dans la foulée, que vous découvrirez bientôt sur ma chaîne en première séance. Donc, je je spoile pas, je ne vous dis pas si ça m'a plu. Ou pas. Et donc j'ai enchaîné avec John Wick 4 que je suis allé voir hier au cinéma. Alors John Wick 4, déjà l'histoire pour commencer, bon bah on est dans la continuité de John Wick. Hein. J'ai l'impression que John Wick 1, 2, 3 et 4 ça s'étale limite sur quelques jours voire une semaine, un petit peu à l'image de la série 24 heures euh, qui se passait en temps réel. Bon bah là tous ces événements. S'enchaîne pour le pauvre John Wick. Alors si John McClane lui avait passé une journée en enfer dans Die Hard 3, John Wick lui, il passe une semaine de merde. Hein, parce que franchement, tous ces événements qui s'enchaînent à partir de la perte de son chien jusqu'à cet épisode dans lequel il va essayer de faire tomber les grandes de la table, cette organisation euh, très obscure euh, qui est présente partout dans le monde et qui a la main mise à peu près sur tous les business. Euh, donc Comment faire pour arriver à ses fins Il a trouvé un vice de procédure, un vice de forme justement dans cette organisation. S'il arrive à combattre euh, le chef de la table, en tout cas ce qui se rapproche du, du plus haut gradé et qu'il en sort vainqueur, eh bien il ne sera plus excommunié, il sera réhabilité. Le marquis de Grammont, défile le en combat singulier. Gagne ou perd, c'est ta seule issue. Voilà, c'est un petit peu l'idée du film. C'était la promesse de la fin du 3 hein, euh, quand Morpheus lui dit est-ce que tu es prêt à, à tous les tuer Et que ça se termine sur John qui fait ouais. Et ben c'est ce qui va se passer. Alors un film plutôt long, les amis, c'est le plus long de toute la saga, le premier durait, je regarde en même temps que vous, 1h41, l'épisode 2 euh, durait 2h02, John Wick Parabellum dure 2h11 et là sur le chapitre 4, on est sur du 2h49, pour vous dire la vérité, j'ai kiffé le film, mais j'ai senti un petit peu les 2h49, je trouve qu'on aurait... Peut-être un, enlever une bonne demi-heure, compresser un petit peu, il y a quelques longueurs. Je vous cache pas que je l'ai glissé à un moment donné, mais ça n'a rien à voir par rapport au film. Hein. C'est moi, je suis dans un, un, un état d'extrême de, fatigue. Je vais très bientôt fêter euh, mon premier anniversaire d'acouphène à l'oreille droite qui m'empêche de dormir. Euh, normalement. En tout cas, euh, ça va faire un an que j'ai ce bruit dans l'oreille, donc j'étais un petit peu fatigué. Je l'ai glissé, mais pas longtemps. Je me suis vite réveillé parce que évidemment que ce film est très généreux en termes d'action. Si vous avez kiffé les éléments qui font les épisodes précédents des John Wick, vous allez globalement les retrouver. De la baston, des tirs en pleine tête, en plein visage. On commence à connaître les techniques de John. Le coup de poing dans la gueule, la petite roulade et je te termine au sol. Vous allez en avoir pour votre kiff, sachant que quand même l'action arrive dans ce film beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard que, que les autres. J'ai l'impression que voilà, le, le 2 et le 1, c'est la du pur action. Et le 3 et 4, on essaye d'explorer un peu plus l'histoire. La première grosse scène d'action, moi je l'ai notée à peu près à 1h20 du début du film. Donc il y a tout un passage assez longué en début de film. On est loin. Du, du fight d'entrée de jeu, comme on a pu le voir dans, dans le 2, et que j'ai surkiffé. Bon, ça c'est problème de rythme, mais ça ça ne concerne que moi. Si ça se trouve, vous, vous allez kiffer. Moi, je l'ai trouvé un chouïa allongé En revanche, les amis, c'est un film qui va vous faire voyager. Hein. J'aime ces films très cosmopolites. On voit pas que des blancs, on voit de tout. C'est ce qui représente un petit peu notre planète. Non, non faut, euh, là, tout, 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 est, tout est représenté. On a des Russes, on a des Américains, on a des Français, on a des Japonais, il y, y a de tout. Et on se balade, on se balade. Le film commence euh, en plein désert, magnifique, course poursuite à cheval. Les images sont, sont vraiment magnifiques. On va se balader du côté d'Osaka, on va se balader du côté de Berlin. Le film va se terminer sur Paris. Et les amis, s'il y a un côté mais, vraiment positif que j'ai trouvé, c'est les images, les images sont magnifiques. Si vous gagnez, la table tiendra sa parole. Alors, autant le rythme ne m'a pas vraiment plu, j'ai trouvé vraiment un chouïa long, lent, mais alors les images elles sont sublissimes, sachant que le réalisateur c'est toujours ce chat de. Comment il s'appelle Stahelski Chad Stahelski, qui... Euh, je sais pas pourquoi je le, je le rebeuise. Stahelski, euh, qui à la base est un cascadeur. Le gars est le cascadeur, euh, doublure de, de... John Wick, j'allais dire. De Keanu Reeves, de Neo, dans, dans les films Matrix. Et, et le gars, je, il a une patte, quoi. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que je, cet ancien cascadeur qui s'est recyclé dans la réalité fait un bien meilleur travail que certains autres réals euh, disent euh, reconnus très 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 beau les, les images sont magnifiques on dirait, des, on dirait des tableaux il y a un travail sur le, la lumière, les jeux de couleurs les ombres les contre-jours, c'est juste magnifique, t as des ambiances ultra différentes suivant là où t'es tu du rouge qui va péter, du orange, du bleu, enfin vraiment, es... les images sont sublimes. Moi qui suis très sensible à la réalisation, au montage, au découpage, visuellement, j'ai pris ma claque. Hein. C'est super beau. C'était tel. Alors, euh, on s'aperçoit qu'en fait, il existe un continental dans chaque pays. Le continental d'Osaka, il déchire, il déboîte, une espèce de, de, de gros complexe avec des néons rouges. Euh, c'est magnifique, c'est super beau. Il y a toute une, une scène de baston dans une discothèque à Berlin. Un discothèque euh, qui a une petite euh, fuite d'eau. Petit dégât des eaux, mais ça rend mortel, mortel de ouf. Toute absence au lever du jour impliquera une exécution. Euh, vous le savez, moi qui kiffe un peu les sons bien lourds, techno, un peu breakbeat. J'ai été servi comme il faut. Moins de zik euh, pur rock, hard rock, et beaucoup plus de, de, de gros sons bien lourds. J'ai même cru reconnaître en fin de film euh, un petit morceau de Justice. Et ça colle super bien, super bien. Franchement, ça le fait grave. J'ai kiffé, hein. franchement, j'ai kiffé ce film. Mais maintenant que j'ai vu les quatre chapitres, j'ai mon préféré, j'ai mon préféré. Je pense que mon préféré, c'est le chapitre 2 qui, qui rentre direct dans le feu de l'action, on n'est pas là pour niaiser. Le générique n'a même pas commencé, le titre n'est même pas apparu, qu'on est en plein baston, et ça, ça j'ai adoré. Alors John Wick 4, on retrouve les personnages habituels, notre ami Morpheus, on retrouve notre ami Winston, et puis deux nouveaux personnages qui viennent rejoindre la, la bande. Le Personnage de Kane, interprété par Donnie Yen. Moi, Donnie Yen, c'est un acteur que je connais pas du tout. Il paraît que je passe à côté de, de, de quelque chose d'assez fou. Il va falloir que je découvre ces euh, films euh, Ip Man, je sais pas si on dit hip ou Man <laughs> bon bref. Il va falloir vraiment que je découvre cet acteur. Donnie Yen, je n'ai vu que deux films avec cet acteur. J'ai vu Rogue One, dans lequel il joue le rôle d'un aveugle qui se bat comme un ouf avec son, sa canne, son bâton. Et je l'ai découvert là dans Johnny Wick 4, euh, dans lequel il joue le rôle d'un aveugle qui sait euh, super bien se battre avec sa, sa, sa canne, son, son bâton. À tel point que je me suis demandé pendant le film, je me suis dit, mais il serait pas vraiment aveugle ce gars Parce que <laughs> Chaque fois que je le vois dans un film, il joue le rôle d'un aveugle qui se bat avec un bâton. Excellent excellent le mec ça me donne envie de voir ses films parce que il a une rapidité de d'action il se bat trop bien il y a, il y a une phase c'est pas du spoil que je vous donne mais il y a une phase où il enchaîne des, des coups de poing mais à une vitesse je dis j'aimerais je, pas être la gueule du gars qui les reçoit donc euh, pas mal Donnie pas mal euh, un personnage un petit peu ambigu entre euh, amour haine avec John c'est à la fois un très très bon ami et en même temps sa mission c'est de, bah, de se débarrasser de John. Donc j'ai bien aimé cette espèce de, peu de, de dualité. On a euh, j'ai reconnu le personnage de la Sauvageonne. Euh, dans Game of Thrones, ça m'a fait plaisir de la revoir. Il y a Clancy Brown, euh, vous connaissez forcément son visage si vous avez regardé la dernière saison, enfin la dernière saison, la première et, et seule saison de Dexter New Blood. C'était le, le grand méchant. Je ne sais plus comment il s'appelait dans la dans cette série, mais il était vraiment vraiment ultra ultra dérangeant. La grande table ne s'arrêtera jamais, vous le savez. Et il y a Bill Skarsgård. J'arrive pas à dire son nom. Skarsgård. Bon, euh, Bilou Bilou, qui euh, lui joue le rôle du grand grand méchant dans l'organisation. Nouvelles idées, nouvelles règles, nouvelle organisation. Alors, moi, ce qui m'a pas déplu, mais euh, je trouve ça dommage, je pensais qu'avec ce film, on allait vraiment mettre à jour euh, la table, mettre à jour l'organisation, les rouages, qu'on allait plus nous expliquer comment euh, tout ceci fonctionne, et ça reste encore très obscur. Ça reste très obscur et ça n'est qu'un prétexte à de la baston. Et je trouve ça dommage. Alors oui, on a ce Bill Skarsgard qui joue le rôle du marquis de Grammont, de je sais pas quoi. Enfin, il joue le rôle d'un Français. Ouais, je pensais qu'on allait en savoir plus sur l'organisation. On n'en sait vraiment pas plus. Ça reste tout autant mystérieux, ça reste tout autant obscur. Euh, je trouve ça dommage. Alors dans ce John Wick 4, je trouve qu'il y a des éléments qui sont repris des précédents épisodes. Et je trouve ça un petit peu dommage. On a notamment un personnage euh, qui est accompagné d'un chien qui ne le lâche jamais et ce chien est entraîné pour tuer. C'est-à-dire que d'un côté t'as le mec qui va gunfighter euh, des scalpes et des visages et de l'autre t'as son chien qui va s'attaquer aux coucounettes Et je trouve que là pour le coup on est sur une redite euh, du 3 avec le personnage de Ali Berry que j'avais pas reconnu. Vous allez voir ma vidéo, je l'avais pas du tout reconnu. Et je trouve que là on est sur une redite. Il y a même à un moment donné un personnage qui va se saisir d'un crayon à papier. Bon. Je te dis, ça c'est des éléments qu'on a déjà vus les amis. C'est un petit peu dommage de les, de les recycler. Les bastons, je les trouve un petit peu moins bien chorégraphiés que dans un épisode 2. Alors c'est peut-être dû au découpage. Il y a moins de découpage dans ce film, il y a moins de montage. On laisse plus les combats en temps réel, ce qui est pas plus mal. Hein. Mais ce qui est bien aussi quand on monte, quand on change d'axe. C'est qu'on rythme son film. On, on peut lui donner un rythme. Et là, il euh, y a un syndrome que, que j'aime pas trop. En fait, c'est quand à John Wick qui est entouré de, de 15 gars. Et que euh, pendant qu'il fout une patate à l'un, il va s'occuper de l'autre. Et lui à qui il a foutu la patate va attendre qu'il finisse de s'occuper du gars pour se relever. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils pourraient tous lui sauter dessus, et non, on sent que les mecs font des gestes un petit peu, ils gesticulent un petit peu dans tous les sens pour perdre un peu de temps, pour se dire c'est bon il s'est occupé de lui, ok c'est à moi. Voilà, ça m'a un petit peu fait penser à cette, euh, cette scène dans, dans Batman, je sais plus lequel c'est, celui avec euh, Catwoman, où ils sont sur un toit à, à se battre avec plein plein de gens. Quand tu regardes bien, t'as en fond un, un mec, il se, casse, il se casse la gueule tout seul alors que personne l'a frappé pour créer du mouvement à l'image en fait, voilà. Euh, donc les combats, mais tout aussi violents, hein. tout aussi violents, mais je trouve un petit peu moins bien travaillés. Euh, l'oréal elle est plutôt cool, euh, elle passe. Je trouve quand même qu'il y a plus d'idées dans les épisodes précédents. Il y a quand même deux plans qui sont... Euh, deux séquences qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Il y a notamment John Wick qui est dans un... Je crois que c'est un, un hôtel qui passe de pièce en pièce pour se débarrasser de tous ses ennemis euh, à l'aide de ses flingues, évidemment. Et toute la scène est filmée du dessus. Ça m'a un petit peu fait penser au, au, au premier GTA. Et donc la caméra va se balader comme ça de, de pièce en pièce. On a l'impression que c'est un décor de, de, de pièce de théâtre puisqu'il n'y a pas de plafond. Et, euh, et donc tu, tu suis comme ça John Wick se débarrasser de tout le monde. Je trouvais ça ultra, ultra intéressant. Il y a un plan aussi qui m'a plutôt pas mal plu. Euh, vers la fin, John Wick euh, dévale sur le dos les escaliers du Sacré-Cœur. Et euh, as la caméra qui Tu sens qu'elle glisse comme ça. Elle le suit en. En, en plan séquence euh, pendant toute la chute, je trouve ça ultra intéressant. Paris, Paris est sublimé euh, par sa Tour Eiffel. Si la Tour Eiffel avait été un personnage, je pense qu'elle aurait pris cher sur ce film en termes de de, de cachet, parce que n'y a pas un plan sur Paris où on ne voit pas la Tour Eiffel. C'est pour bien te faire comprendre qu'on est à Paname, Tu la vois quasiment tout le temps mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi la tour eiffel c'est un monument qui me chatouille l'œil ça, ça, j'adore la tour eiffel j'ai une, une passion une admiration pour la tour eiffel il faut savoir que moi je, je, suis, je suis je suis parisien euh, depuis ma naissance je suis né à paris et je suis tellement pas blasé de ce monument je vous jure hein, dès que je passe sur les quais et que je l'ai en visu euh, je, je regarde ce, ce monument comme ça, comme si c'était la première fois que je, je le découvrais. C'est ne sais pas pourquoi je suis en train de digresser sur, euh, sur la Tour Eiffel. Bref, un épisode qui m'a plutôt plu, euh, qui amène une conclusion à la saga. Bien que j'ai entendu qu'un 5 était en préparation, tu m'étonnes, si le film cartonne, pourquoi est-ce qu'il se priverait de rentrer des sous avec cette licence qui est franchement une licence ultra correcte. Bon, euh, oui c'est bourrin. Oui, il n'y a pas d'histoire. Mais si c'est bien fait, moi je prends. Ça m'a un petit peu euh, fait penser à Tekken, un film que j'avais ultra apprécié, euh, en tout cas le premier, avec Liam Neeson, qui était un film également qui ne brillait pas par son histoire. Euh, un père euh, des services secrets euh, qui va essayer de retrouver sa fille euh, enlevée, euh, kidnappée euh, sur Paris, et qui va euh, dessouder à peu près tout le monde. On est un petit peu sur ce même genre de film. Mais mon dieu que c'est kiffant, les bastons sont cool, comme je vous l'ai dit. Vous allez apprécier globalement, si vous avez apprécié les autres épisodes de John Wick, vous allez apprécier ce, celui-ci. Voilà, moi je vous l'ai dit, un chou longué, mais ça fait le taf. Kino Reeves. Bon, il a les cheveux qui ont un peu poussé dans celui-ci. Hein. On sent qu'il y a une petite épaisseur en plus par rapport aux autres, mais qui ne change pas, qui est... Pff, il, il, tu sens que le gars, il donne de sa personne. Et ça, ça fait super plaisir. Voilà, les amis, euh, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur John Wick. Je sais pas s'il y a des, comme d'habitude, hein, vous savez, moi je, je, je n'écris pas mes vidéos. Je vous parle comme si vous étiez des potes et comme si je vous ai le débrief du film que j'ai vu euh, la veille. Car oui, je l'ai vu hier. Donc voilà. Désolé si c'est un petit peu décousu. Désolé si je pars dans tous les sens. Mais je pense avoir fait le tour de ce John Wick. Bon, bah je vous fais des bisous les amis, je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne pour découvrir avec moi, enfin plutôt me voir découvrir John Wick, chapitre 3 Parabellum. Euh, mais je vous le dis, mon préféré pour l'instant, ça reste euh, le chapitre 2 qui défonce sa rhum. Et si vous l'avez pas vu sur ma chaîne, vous pouvez le découvrir en première séance, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, à laisser un commentaire, laissez un commentaire sur, sous celle-ci. Vous me dites si vous avez vu le film, si vous, vous l'avez kiffé, si vous avez des... des reserves. Voilà les amis, je vous fais des bises. n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait comme d'habitude, le petit pouce pff, dans le cul de John Wick, et on se dit à très vite.